Don't burn me back. Donc voilà les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on est là pour un unboxing d'un colis MyProtein. Voilà, donc je suis en compagnie de Félix, aka Félix Baby, aka Prochaine Production. Donc voilà, donc c'est celui qui fait nos vidéos, qui les filme, qui les monte. Et aujourd'hui on a voulu faire ça ensemble pour vous montrer les produits, les goûter ensemble. Donc voilà, c'est parti. Let's go. On a pris le comment on appelle ça, la box, c'est la black box de MyProtein. C'est ça. Non, ça se pique en fait. Non, non. Tellement de violence. Donc voilà, donc on a acheté pas mal de trucs, on reprend ça. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par ça. Alors j'ai acheté le MySurp. Donc voilà, donc le MySurp de MyProtein. Donc en fait c'est un comme un sirop d'avoine, donc j'ai pris goût sirop d'érable. Sirop d'érable. Oui. Donc j'ai pris goût sirop d'érable. Donc en fait c'est un sirop d'érable pas sucré. Donc voilà, donc il y a goût chocolat, framboise. Ça donc on va goûter ça, on va prendre. Ça se mange comment? On va prendre une petite cuillère. Tu vas prendre une petite cuillère. On met ça sur les petites crêpes du matin. C'est du sirop d'érable. C'est doux, hein. On sent pas, ouais. Ouais, ça fait vraiment bien. Donc ça coûte 5 euros. Donc vous le retrouvez. C'est franchement pour mettre un petit, comment dire, une petite garniture sur les trucs, c'est vraiment pas mal. Ça, c'est bien bon. Donc après, qu'est-ce qu'on a acheté? Après, on a. J'ai acheté ça. Donc ça, c'est résistance band. Donc j'ai pris les moins résistantes. Donc alors ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il y en a deux, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Donc ça ressemble à ça. C'est des grosses bandes élastiques et en fait, c'est vrai qu'il en faut deux parce que sinon pour les deux pieds. Ouais. Et donc en fait ça peut vous permettre de faciliter vos mouvements sur des tractions. Voilà, donc nous c'est pour nous entraîner à faire des tractions un peu plus évoluées. Donc on les met sur nos pieds, on les accroche à la barre de traction et ça nous permet, celles-là elles enlèvent entre 5 et 15 kg de poids, donc du poids de corps. Donc voilà, donc c'est vraiment c'est une résistance qui est très faible, hein, on peut facilement la tirer et ça peut vraiment permettre de nous aider à faire notre action de ça. Donc voilà, ça coûte 12 euros je crois. Et voilà, et après plus vous prenez une résistance forte, plus le prix augmente. Et plus ce sera facile aussi pour pouvoir faire... Ouais voilà, plus les tractions de ça seront faciles et vous semblerez plus léger. Donc après, j'ai acheté les protections de poignet de MyProtein. Parce que si vous faites du sport depuis un certain temps, moi avant je mettais des gants. Et bon, ça m'évitait d'avoir des cloques. Mais je commence à avoir vraiment très très mal au poignet. Je sais pas si je vais en essayer une. Je commence à avoir très très mal au poignet. Donc du coup, j'ai acheté ces protections pour ne plus avoir mal au poignet. Donc alors, comment est-ce que ça se met ce truc? Voilà. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. J'ai deux. Voilà, ça ressemble à ça. Donc en fait, c'est vraiment... pour quand vous faites vos mouvements, ça vous tienne mieux le poignet et vous ayez pas mal et vous évitez de vous faire une tendine au poignet en fait, parce qu'à force d'effectuer à chaque fois les mêmes mouvements, bah tu sens avec ça dans la rue, tu sais, le mec trop pas con. Et donc à force d'effectuer à chaque fois les mêmes mouvements, ça tire et ça peut vous faire mal au bout d'un certain temps, et à chaque fois que vous irez au sport, ça vous fera la même douleur. Donc du coup j'ai acheté ça. Donc alors ça coûte 5,50€, donc les deux. Donc voilà, franchement c'est le prix de gants en fait, et c'est vraiment, la qualité est bonne, c'est vraiment agréable à porter, on le sent pas. Je trouve qu'on le sent moins que des gants en fait. C'est moins... peut-être comme ça tient. Non, après tu peux mettre je pense que tu peux mettre ton gant avec, mais bon ouais. Après là, mais voilà, c'est vraiment... Non, moi franchement je trouve ça vraiment... ça a pas la même protection que les gants, mais au final les gants c'est juste pour éviter les cloques. Et moi, comme j'en ai pas trop, ça va. Donc après, j'ai acheté des oméga 3, 6, 9. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est simplement de la graisse de poisson. En fait, enfin, c'est des oméga 3 en fait. Donc c'est ce qu'on retrouve dans la graisse de poisson, dans tout ça. Et en fait, ça va permettre à votre corps de brûler plus facilement les mauvaises graisses et de cibler vraiment la perte. Quand vous consommez votre énergie, ça va vraiment
permettre de cibler mieux les mauvaises graisses. Donc ça coûte 10€ et on va essayer ça. Donc ça on va pas le goûter hein, parce que ça servira un peu à rien. On va passer à la boîte ultime. Donc voilà, donc ça ressemble à ça. Donc tout ça, tout ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, c'était en plus que t'as voilà, acheté. Là c'est vraiment le coffret de la box de chez MyProtein. Qui voilà. Coûte normalement 60€ et ils faisaient une réduction à 20€ à peu près. Donc on l'a acheté pour tester. Comme on n'était jamais allé sur le site, on s'est dit on va tester, on va voir ce que ça donne. Comme c'était pas trop cher, on pensait que c'était une bonne occasion de faire ça, de vous présenter peut-être que vous-même vous savez pas trop quoi acheter, tout ça. Donc on s'est dit qu'on allait tester. Elle est vraiment propre la boîte. Ouais, la boîte classe, est design. La boîte est très belle. Donc alors, on a un petit shaker MyProtein. Donc voilà, donc je crois qu'il y a 8 trucs dans la boîte. Donc on a un petit shaker qui peut avoir deux portions et les séparer comme ça. Ok, c'est vraiment pas mal. Okay. Donc ça pour l'instant on va laisser de côté. Donc voilà, c'est ça. Donc ça vous permet de, je pense, de prendre deux portions et dans le même shaker. Et de ne pas avoir vous trimballer plusieurs shakers, donc voilà. Donc alors on va commencer par Total Nutri Green Plus. Donc alors c'est quel goût? Goût tropical. Donc alors apparemment c'est un complément alimentaire qui permet en fait de manger. Si en fait si vous consommez pas beaucoup de fruits et légumes, bah ça vous permet d'augmenter votre consommation de fruits et légumes tout au long de votre journée. Donc voilà, on va tester ça. Donc attends, qu'est-ce qu'ils disent? Donc voilà, donc on va essayer ça. Donc bon, au niveau des dosages, je crois que c'est 7,5 g. Donc 2 à 3 fois par jour. Donc nous, on va plus goûter au niveau du goût. Après, au niveau des effets, je pense que c'est plus là, c'est vraiment si on n'a pas l'habitude, si on mange pas trop de légumes ni de fruits, ça permet de c'est de les remplacer. Vert. Ouais, c'est vraiment vert. Donc, voilà. Donc on va goûter ça, on va mélanger avec 250 ml d'eau. Ça donne vraiment pas envie. En tout cas, ça sent bon. Ça, ça sent vraiment en tropical. Ouais, bien, c'est pour le moment. Ici, ça sent bon, je sais pas. Je peux pas l'approcher, ils vont pas sentir. C'est... Non, mais au niveau de la couleur, ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu, je sais pas si vous voyez la glace avec les petites boules, avec les petites billes. Trop petit, ouais. Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, je sais pas comment. La glace avec les petites billes que Calypso, je crois. Calypso, non, je sais plus ça. Que c'est. Si, c'est t'es sûr, je sais plus. En tout cas, ça ressemble à ça. Ça. Au niveau de l'odeur, c'est en plus c'est ouais. Trop bigot, ouais. Ouais. On va goûter. Total Nutri-Green Plus. Ah, c'est grave bon. Non, c'est doux. Hein. On dirait un jus vitaminé, mais ouais. un peu plus chimique, très sucré, mais ça a vraiment ouais. Un bon non, goût. Non, c'est bien. Bon. Ouais. On dirait pas du tout bon. Un complément alimentaire, mmh. On dirait vraiment ouais, un jus de fruits plutôt ouais. Bien sucré. Non c'est bon. Non franchement c'est bon. Donc après, donc au niveau, voilà je pense que si vous mangez pas trop ni de fruits ni de légumes, ça peut être quelque chose de bon pour vous. Après, est-ce que c'est vraiment essentiel ou autre, de toute façon, après c'est chacun fait comme il veut. Donc après on a les BCAA. Donc là c'est quel goût? Orange, donc les BCA, donc on va goûter ça. Donc ça c'est tous les acides aminés en essentiels qui sont rassemblés, on a trois, je sais plus c'est quoi. Donc là donc on va passer au goût des BCA. Donc ça va. Donc ça c'est pour la récupération musculaire, ça aide vos muscles aussi à se former. Et donc voilà, c'est vraiment là c'est pour plus l'entretien de votre musculature et de votre tissu musculaire. Donc attends, ils disent quoi? En fait nous on fait vraiment ça plus au niveau du goût pour pouvoir vous aider si vous souhaitez acheter sur MyProtein en fait quel et vous ne savez pas quel goût prendre. Voilà, là on voit qu'il y avait plusieurs goûts, il y a plusieurs trucs, donc du coup on teste et du coup ça vous permet de voir quel goût. Quel goût est-ce qu'on peut prendre, quel goût est-ce qu'on peut ne pas prendre. Parce que donc, là, je pense qu'il doit y avoir vraiment des goûts pas très très. Donc là voilà, là c'est orange, c'est goût orange. Hein. Donc ça ressemble à ça, alors que le tropical ouais, vert, c'était ouais. Ça sent l'orange. Ouais, c'est.
Ça ressemble un peu plus à un médicament que l'autre. Mais on sent le goût de l'orange, il est... Ouais, c'est plus médicament. Ouais, c'est plus médicament. L'autre, on aurait vraiment dit vraiment injuste, c'est vraiment... Ça fait plus penser à du Smecta ou ouais. Comme ça. Ça, c'est Smecta, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, après, donc ça, là, on a l'Impact Whey Protein. Donc ça, je pense que, d'après ce que j'ai vu sur leur site, ça, c'est leur produit le plus vendu. Donc, le son, elle est éteinte, là. Ouais, c'est vrai. Okay. Donc ça, c'est leur produit le plus vendu. Donc c'est quoi, le goût? Rocky... Rod Flower Protein. Alors là, je sais pas du tout c'est quoi le goût. On va sentir, je pense qu'on va... qu'il y a pas de goût. Hein? Je suis pas sûr qu'il y ait de goût. Genre un truc sans goût. Genre nature, genre bien dégueulasse. Ah, ça sent le goût. Ah, ça sent le cookie, le... Ah, sent le brownie. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Ça sent le brownie. Ah ouais? T'as une brownie, ça brownie. C'est ouf. Donc on va goûter ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? 25 grammes de 150 à 250 millilitres. Là, je crois qu'il y a. Il y a une. Ouais, hop, il y a une petite. Un petit. Une petite dosette. Ouais, une petite dosette. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça fait 25 grammes, je pense. Hein, c'est ce qu'ils mettent. Donc voilà, donc on va tester donc la whey protein. Donc on a mis les 25 grammes. Donc pour 25 grammes, on met entre 150 et 200 ml d'eau. Donc alors là, pour la protéine, l'Impact Whey Protein de My Protein, vous avez pour la dose qu'on a mis 95 calories et 19 grammes de protéines. Donc voilà, donc nous apparemment, on n'a pas trop compris c'était quoi le nom du goût, mais je pense que c'est goût brownie en tout cas. Enfin, ce qui est écrit, c'est Rocky Road. Donc voilà, est-ce que c'est goût brownie? En tout cas, c'est ce que ça sent. Donc voilà, on va voir si c'est bon. Je sais pas, ça me fait peur. Laisse goûter en premier, je vais te lire. Dis-moi, je sais pas. Je sais pas, c'est bizarre. Tu me fais peur. C'est bizarre, non? C'est bizarre. C'est pas mauvais. C'est du brownie au lait, moi je dirais ça. Ouais, on dirait un brownie qui a été trempé dans du lait. Eh. Non, c'est vrai. Non, ouais. Franchement. Non, ouais, ça va. Hein, c'est... Non, ça va, c'est pas mal, mais ça a pas un goût qu'on arrive à décrire. Enfin, non, à part du brownie dans le lait. Ouais, on peut pas le décrire comme ça, c'est... mais ça va, c'est pas mal. Bon, pour l'instant, dans les trois meilleurs goûts, après, je pense que c'est parce que c'est celui qui se rapproche le plus du fruit. Le meilleur goût qu'on a eu, c'était pour le Total Nutrigain Green Plus, donc goût tropical. Après, moi j'ai préféré celui de l'Impact Whey, donc ça va, c'est pas mal. Et puis après, on avait les BCA à l'orange qui a quand même un peu le goût de médicament. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc là, c'est plus. On a encore deux trucs à voir, je crois. Donc on va finir les trucs à voir. Donc on a un Pro Milk Zéro Sucre, donc ça ressemble à ça. Donc voilà, donc ça c'est une brique de lait de chocolat plutôt, bah c'est saveur chocolat ou protéiné, donc il y a 40 calories et non, ça c'est pour les 100 grammes, donc du coup il y a 250, donc en gros il y a 15 grammes de protéines à peu près et à peu près 100 calories pour la brique de lait. Donc voilà, je sais pas si j'aurais peut-être pu la secouer avant. Ça aurait été une bonne idée, je pense. Je sais pas, ça secoue les brique de lait ou pas? Ouais, je crois. Ça secoue? Je sais pas. Non, quand on voit les candiopes. Je sais qu'il y a des les candiopes, on les secoue. Les candiopes. T'en vois tout le temps, non? Non, tu vois pas les candiopes? J'en ai des candiopes. J'en ai okay. Du bio, moi. Crois dans ma vie. Ok, on va se faire envoyer. Est-ce okay. Qu'on secoue les candiopes? On est dans la description parce qu'on a vraiment besoin de ça. Ah, c'est bon. Ça, c'est doux. Ça, c'est très très doux. Ça c'est très 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 doux. Je pense qu'on va exploser après la fin de la vidéo. Hein. Ça c'est doux. C'est doux. Non? Ah c'est doux. Si si c'est doux. C'est ça. Non mais je vais pas faire ça. Mais c'est doux. C'est si, pas si. Bon. Si c'est bon. Non c'est, doux. C'est pas bon. C'est doux. Moi je suis pas fan. Saveur chocolat. N'achetez pas. C'est les deux ils s'engueulent. Non lui il a tort. Il dit n'importe quoi. Non. Je trouve ça. Par rapport au goût du brownie justement je trouve ça. Non je trouve ça. Non, ça va, c'est bon. Il y en a arrière goût, je sais pas café. Non, je trouve un peu ça de café, je crois. Ouais, non, franchement, ça va, c'est du candiop. On dirait du candiop, quoi. Tu vois. Après, si t'aimes pas le candiop, t'aimes pas ça, mais ça ressemble vraiment. Ça, on sent pas la différence entre
Donc non, voilà. Un tout petit peu moins de goût que le Candur, mais c'est à peu près le même goût. Donc après, donc là, on vous a dit, donc ça c'était une boisson protéinée. Donc là, on a un mini, on a un shot de L-carnitine. On va être dur pour le partager. Hein. Moi aussi, on va rester à partager. Donc là-dedans, il y a ça. Attendez, je vais vous. Alors ça, je sais pas. T'as pas donc. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Donc ça, je sais pas trop à quoi ça sert, hein, parce que nous, on connaît pas trop ces produits. On fait plus ça pour vous les présenter au niveau des goûts. Si vous aussi vous débutez, puis vous cherchez à acheter des produits, au moins là, vous avez des goûts. Vous pouvez voir à quoi. On peut peut-être vous aider à choisir vos goûts, étant donné la multitude qu'on trouve sur le site. Donc ça, donc c'est, ça sert au maintien du métabolisme des graisses et, une, et ça a une fonction hépatite normale. Donc voilà. Donc. Ça, on sent avec les yeux. Sans avec les écolons. Non, mais c'est, ça, ça pique les yeux. Les ça, ouais. Ça, ouais. Ça, ouais. C'est les écolons. J'ai... Ça, c'est cool. On partage. On partage. Ça va être violent. Je sais pas, c'est saveur orange. Non, je sais pas si. Il y a 4 grammes de. Protéines. Non, de carnitine. J'ai essayé. Allez. Ça, c'est. Ça a l'air d'être. Ah, fou. Ah, ça réveille là. Ah, ça réveille tout là, frère. Ah, ça réveille là. Tout là, tu le sens. Mais c'est bon. Ah, c'est pas le tat, hein! C'est la plume! C'est violent ici! Ah, ça! Ouh, c'est un petit marathon là! Non, ça va! Franchement, c'est violent ici! Ouais, y'en a plus! Ah. Non, c'est bon! Non, franchement, ça a un c'est goût piquant! Ouais! Je pense que là, le prendre comme ça, c'est. Tu le prends d'un coup, c'est bon! Hein, ça réveille un peu, mais c'est. Donc voilà! Donc si vous voulez, je me renseignerai plus sur son utilité. Non, on achètera ça parce que c'est vraiment bon. Ouais, ça c'est doux, c'est... Donc voilà. Donc maintenant on va passer au moment, je pense, préféré de cette vidéo étant donné que je ne mange pas de gâteau, de sucre, tout ceci. Et là, ça fait, je sais pas, moi ça doit faire peut-être un mois que je tourne sur ce site, que je n'achète rien, mais que je vois ces cookies, ces gâteaux, tous ces trucs... J'ai qu'une envie, c'est d'en acheter, d'en manger pour goûter, voir quel goût ça a. Et donc voilà, donc on va commencer par quoi? On va commencer par Protein Wafer. Donc ça, c'est une gaufre protéinée. Donc, on va commencer par ça parce que c'est ce qui me donne le moins envie. Même si peut-être que c'est... Ouais, tu moins bon ou plus bon. Donc, c'est saveur strawberry, donc saveur fraise. On va goûter ça. Oula, bah c'est cassé en deux, c'est parfait. Un morceau pour toi. Donc, à l'intérieur, donc je crois, parce que c'est pas écrit dessus. Oula, j'étais tout tombé dans la boîte. Ça a l'air doux, en tout cas, je crois qu'il y a des petits copeaux de chocolat dessus. Hein, ouais. Je crois, ouais. Donc, dessus. Ça a une odeur. Ouais, ça a une odeur. Ouais, donc, parce que c'est pas écrit dessus, il y a 200 calories pour deux gaufres. Donc là, il y en a qu'une seule. Donc, ou c'est peut-être, non, c'est peut-être qu'elles sont coupées. Je sais pas non, si c'est un exprès, mais ouais, c'est pas de. Ouais, c'est ça. Donc, bon, voilà. Donc, pour les deux, il y a 200 calories et 15 grammes de protéines. Donc, on va goûter ça. Ma grand-mère m'a acheté toujours ça quand j'étais petit. Jamais aimé. J'aime pas non plus quand il y a de la protéine dedans. Mais c'est bon, si. Non, c'est vrai, c'est bon. Moi, je trouve ça doux. Ça me rappelle ma jeunesse. Seulement, je pouvais manger des gâteaux comme ça tous les jours. Et bon, on sent vraiment. Je sais pas au niveau des goûts. Ce qu'il y a, en tout cas, la fraise, on sent vraiment la fraise. Donc, si vous aimez pas la fraise, ne prenez pas la fraise. Mais le, en tout cas, moi j'adore la fraise et le goût est vraiment fort. En plus, il y a un petit peu de chocolat au-dessus et en dessous, je pense. Maintenant, c'est la Protein Shox. Donc, ça, ça ressemble vraiment plus à une barre protéinée. Je pense qu'on peut trouver à Gosport ou à Decathlon, comme j'en vois souvent. Donc, il y a 22 grammes de protéines pour la barre entière et au niveau des calories, ça doit être écrit ici. Ça, c'est pour 100 grammes. Et pèse combien la barre? Il n'y a pas écrit pour la barre. 60 grammes. Donc, il y a 400 calories. En gros, vous avez un peu plus de 200 calories pour la barre entière et vous avez 22 grammes de protéines. Donc, après, nous, on dit, est-ce que c'est un bon rendement ou autre?
Nous, on sait pas trop, on s'y connaît pas du tout, mais on fait ça plus. Oh putain, frère. Oh là là. Là c'est tout mou. C'est un mars. Ah là là, ouais, c'est comme un. Tiens. Donc nous on fait ça plus vraiment au niveau du goût. Si vous, vous comptez l'acheter mais vous savez pas si c'est bon, bah nous on essaie vraiment de... Goûte. C'est pas bon du tout, d'accord. C'est très très bon, alors c'est... C'est quoi ça? Noix de pécan. Ouais mais... C'est maple. Ouais c'est ça, c'est... Mais je sais pas. On sent vraiment... ça ressemble à un mars. Un mélange entre un Mars et un Twix. Ouais. Moi ouais, ça franchement, vous prenez ça après. Vous prenez ça après ou avant votre sport, je pense que ça vous cale bien et ça vous donne de l'énergie parce que là. Bon, maintenant on va passer au moment que j'attends depuis. Je crois que c'est ça qui m'a fait découvrir ce site. C'est le cookie protéiné. Donc voilà, ça ressemble à ça, il est assez grand, regardez, par rapport à ma main, il fait toute ma main. Donc voilà, il y a 40 grammes de protéines dans le cookie, donc quand vous dites, si on se dit que là dans la barre, il y en avait juste la moitié, on n'avait que 20, et là on a 40 grammes de protéines dans un seul cookie, et on a 300 calories, donc voilà, donc là c'est quel goût? Goût chocolat blanc et amande. Bien joué l'anglais. Donc il est vraiment beau. Beau Si si, moi je trouve grave beau. Tu sais, pour un cookie, wesh si. Ça en fait bien. Ah là là, il est tout mou. Ah là là là. Ça c'est doux ça. Non, c'est la petite partie, c'est celle-là. Donc voilà. Ah. Quoi? Juste ça. J'ai senti que c'était bon. Ça. Mec, goûte-toi. C'est une tuerie sa mère. Non, ça c'est vraiment... Non, ça... Il y a bon, tu vois, il y a ça, c'est bon. Mais ça vaut pas des granolas. Ça vaut des granolas. Enfin, tête de ma mère, ça vaut des granolas. Je sens vraiment bien l'amande. Je sens plus l'amande que le chocolat. Alors, je pense... que le chocolat blanc, c'est juste... les petits morceaux qu'ils ont incrustés dedans. Et sinon, c'est vraiment à l'amande. On sent vraiment... l'amande est vraiment... Ouais, présente. Donc pareil, je pense qu'il y a, je crois qu'il y a goût chocolat. Si vous aimez pas l'amande, essayez goût chocolat. Mais alors ça. Ouais, mais la journée de la protéine aujourd'hui avec tout ce qu'on a mangé là. Vraiment, moi ce que j'ai vraiment adoré dans ce, dans cette boîte, c'est vraiment ça. C'est vraiment les gâteaux. Je pense que c'est là où aussi il y a le plus de sucre. C'est là où on prend le plus de plaisir. Je vous conseille, si vous voulez prendre des gâteaux ou autre, de les acheter. Certes, ça coûte un peu cher. Je crois que la boîte de 12 cookies c'est 25€. Voilà, c'est à chaque fois d'alentour d'une vingtaine d'euros. Mais vraiment, vous en prenez un par jour et c'est vraiment super super bon. Donc voilà, donc après je voulais aussi vous dire que nous on n'est pas, on ne prend pas de protéines de cette façon là. On en prend dans nos aliments, dans le gâteau que je vous ai présenté dans la dernière vidéo. Donc du coup on ne peut pas trop vous conseiller sur les trois produits qu'on a essayé au début. On peut juste vous dire au niveau du goût ce qu'on a préféré, ce qui était le meilleur, ce qui passait le mieux. Après par contre au niveau des gâteaux là, c'est sûr que ça c'est une tuerie, c'est super bon. Il n'y en a aucun qui est mauvais, qui je pense que n'importe quel goût doit être agréable à manger. Après ça c'est vraiment, on dirait vraiment une brique de candy hop, vraiment une brique de chocolat. Donc ça c'était pour le coffret. Après il y a le checker. Donc ça voilà, c'est si... Je pense que voilà, si vous voulez peut-être vous lancer dans l'achat de protéines ou autre, ce coffret peut être une bonne chose à 1€. Voilà, vous avez plein de trucs, vous essayez tout. Où est-ce que ça donne? Je pense que si on veut commencer à prendre des protéines, il y en a combien? On allait à 250 grammes. Donc comme ils disent que c'est 25 grammes une dosette. Donc du coup, vous en avez pour quelques jours. Et ça peut être bien pour essayer. Donc voilà, pour 20€, c'est quand même pas très cher. Après ensuite, donc les protections, moi je vais essayer ça et je vous dirai plus tard si elles sont bonnes, si ça protège bien, si je n'ai plus mal au poignet. Le sirop, bah ça je pense que dans mes petites crêpes, le week-end ou un truc comme ça, ça me fera bien plaisir et ça sera un vrai kiff. Les élastiques, bah voilà, ça va nous permettre de nous entraîner, de nous améliorer. Et puis les oméga 3, ça je vous dirai...
si je constate un changement ou pas aussi au fil du temps. Non, les élastiques, ça va être vraiment bien. On, ouais. on va pouvoir bien s'entraîner, nous, voilà. Donc, pour tout ce colis, pour tout ça, j'en ai eu en tout pour 60 euros avec les frais de port, qui étaient 3 euros les frais de port. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, pour tester, ça m'a fait plaisir de faire ça, c'était super bon. Ouais. On a pas mal de trucs, bon les gâteaux sont finis, mais je garde quand même pas mal de choses. Il y a encore plein de trucs. Ouais, voilà. Donc bon, j'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, faites tourner à tous vos amis qui se lancent dans le sport ou qui veulent essayer les protéines. Donc voilà, c'est sur le site MyProtein, donc on vous mettra le lien dans la description si vous voulez. Si vous aimez ce concept de vidéo, dites-nous dans les commentaires, on pourra peut-être vous en refaire sur différents... sur d'autres produits, parce que sur MyProtein, ou sur d'autres sites, en tout cas sur MyProtein, il y a vraiment tout un supermarché d'aliments, de la viande, du riz, des pâtes, donc moi que je ne connais pas, que j'ai jamais acheté, mais si vous me demandez, je peux en acheter, ça coûte pas trop cher, et j'essaierai de les acheter en gros, comme ça... j'achète tout d'un coup et puis je vous fais sur plusieurs vidéos. Donc voilà, donc dites-nous dans les commentaires si vous en voulez d'autres, si ça vous intéresse, dites-nous quels produits est-ce que vous avez essayé, s'il y en a des vraiment qui sont pas bons, d'autres qui sont bons, qu'on puisse nous-mêmes en juger. Donc voilà, n'oubliez pas d'aller nous suivre donc, sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, Snapchat, Twitter et Instagram. Donc les liens sont en bas, dans la description. Mettez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner, à faire tourner à tous vos potes. Et restez branchés. Yes.